Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Ici Zurich, où le match entre Bastia en demi-bleu et Grasshopper s'est commencé depuis maintenant une minute. L'arbitre a décidé au dernier moment de commencer à l'avance, ce qui vous explique ce retard sur la prise d'antenne. Le score est bien entendu de 0 à 0. Et je vous donne immédiatement la composition de l'équipe de Bastia. Dans les buts, Hillard, numéro 2, Caz, numéro 3, Marchioni, numéro 4, Orlanucci, numéro 5, Guédon, numéro 6, Dacuesta, numéro 7, Rep, numéro 8, Climont, numéro 9, Félix, et numéro 10, Papi, numéro 11, Mario. Vous remarquez immédiatement, alors que Mario est en train de partir en bas pour les Bastiais, que Larios ne joue pas, et c'est Climont qui opère au milieu de terrain, alors que Fanfan Félix a retrouvé son point d'avant-centre. C'est Rep maintenant qui a la balle, le numéro 7, ligné droit de Bastia, qui a Cribaud à sa gauche. Nous vous donnerons tout à l'heure la composition de l'équipe des Grasshoppers de Zurich. En tout cas, elle est annoncée par la presse. Voilà, dans les buts, donc Berbig, à l'arrière, numéro 2, Becker, numéro 4, Montandon, numéro 5 et numéro 3, Nigel, milieu de terrain, numéro 7, Meyer, numéro 8, Verdi, numéro 6, Hermann, numéro 10, Ponté, numéro 9, Sulzer et numéro 11, l'ailier gauche. LCDR, l'arbitre du match, c'est M. Carpenter de l'équipe d'Irlande. Et je crois que c'est un joli qu'on peut dire qu'il y a au moins 10 000 Corses. Voilà, je profite de cette sortie en touche pour vous parler de l'ambiance. Mais dites-vous bien que l'on se croirait à Furiani, mais un stade de Furiani qui contiendrait 30 000 personnes. Il y a au moins 10 000 Corses. La tribune où nous sommes, c'est-à-dire celle qui est du côté des caméras, que vous ne verrez pas obligatoirement, est absolument recouverte de drapeaux et calicots bleus et blancs. Et ce sont les Corses qui font le plus de bruit, les supporters suisses étant pour la plupart très calmes et n'ayant pas apporté avec eux tout le matériel indispensable du supporter, c'est-à-dire les drapeaux que l'on voit flotter sur les deux tribunes latérales de ce stade. Orlanucci qui est aux prises avec Becker. Les Suisses repartent par l'intermédiaire de Berli, qui avait trouvé Meyer. Schulter, l'avant-centre. Et première sortie de Thierry Piard. À la limite de la surface, très déterminé, il y a. Qui remplace aujourd'hui Zeller. Hier, qui vous le savez, est un transfuge de Rennes, à peine âgé de 22 ans, et qui prend son baptême aujourd'hui en Coupe d'Europe à l'extérieur, puisqu'il a à ce jour opéré une fois à domicile. C'était contre Jena. La QSA. Avec Marchioni, il n'a pas trouvé. Permet à Sulzer. Un des hommes à suivre de ce match, l'avant-centre suisse. Essayez de trouver la tête du numéro 11, Elsener. Et tire de loin de Verdi, sans résultat. Il possible particulièrement dans cette équipe suisse le gardien Verdi, qui paraît-il a multiplié les exploits dans les tours précédents. Il faut suivre aussi le numéro 2, Becker, qui aura la lourde tâche de garder Johnny Rep. Et puis les hommes dangereux se nomme le 9 Sulzer, qui joue avant-centre, le 10 Ponté, mais il ne faut pas se fier à son numéro, ce n'est pas un milieu de terrain, il joue à l'avant de pointe aussi, le 11 Elsener. Que sait-on de ces Grasshoppers de Zurich entraînés par Helmut Johansen? C'est une équipe qui ne fait pas de fioritures, qui ne sacrifie rien au spectacle, mais tout à l'efficacité. Et l'équipe qu'on nous dit être le contre-attaque, ce qui fait que Bastia, jouant aussi volontiers la contre-attaque, on se demande qui va être le jeu de faire le jeu. Pour l'instant, il semble que ce soit les Suisses qui prennent des initiatives. Ils sont chez eux, cela paraît naturel. Claude Papi, pour lequel on avait eu quelques inquiétudes, mais Félix était entré. Nettement. Félix qui effectue donc sa rentrée, qui a marqué déjà 5 buts dans cette coupe UEFA. Laissez-moi vous rappeler que les Grasshoppers ont quand même éliminé Fren Copenhague, Bratislava, Tbilissi et Francfort, et qu'ils ont marqué ici, au stadion Arturm, la bagatelle de 16 buts. 4 contre Copenhague, 5 contre Bratislava, 6 contre Tbilissi et 1 contre Francfort. Autant dire qu'ils sont efficaces à domicile, et c'est là que l'on va voir à l'œuvre Bastia aujourd'hui. Oui, quant à Bastia, vous avez aussi un très beau palmarès, puisque Bastia a éliminé le sport, alors que Crimon a la balle, avec Félix à sa gauche, à une heure de Crimon qui va tirer. Bel arrêt de Verdi. Et les premières attaques dangereuses des Bastiais avec Grimaud qui a tiré et Berbi qui a arrêté la balle.
Je disais donc que Bastia avait un palmarès prestigieux, puisque Bastia a éliminé le Sporting de Lisbonne, Newcastle, Torino et Jena. Mais ce qui est important, c'est que chaque fois, alors que là c'est Elsener qui attaque, qui a donné la balle à Hermann, et la contre-attaque est passée par Félix, une faute de Montandon, le numéro 4, l'arbitre M. Carpenter l'a vu et a donc sifflé, bien vu de la part de l'arbitre irlandais. Bastia, jusqu'à présent, vous le savez, a disputé tous ses premiers matchs chez lui, ce qui en principe n'est pas un avantage, et pourtant Bastia s'est qualifié, a gagné à 4 reprises. Mais je crois que ce qui est important de dire, c'est alors que c'est Guédon qui va tirer le coup franc, c'est que Bastia a toujours réussi au moins 2 buts à l'extérieur, voilà. Et les Suisses réputés pour leur... Alors que Guédon tire très loin, mais trop loin. Et oui, les Suisses réputés pour leur ponctualité ont commencé le match avec 5 minutes d'avance, ce qui fait que les commentateurs suisses comme nous-mêmes n'ont pas pu vous décrire le début du match, mais il y a 0 à 0 après 8 minutes de jeu. Et pour l'instant, un jeu assez égal, alors que Decker, là, lance loin en avant. Pour Ponté. Ponté qui semble jouer replié aujourd'hui. Qui a donné au numéro 7 Meyer. Une faute Guédon sur Meyer. Et c'est un coup franc qui est une sorte de petit corner. Alors que c'est Decker qui se sort de douleur. Il y a 35 000 spectateurs ici au stade de Zurich, le Hard Turm Stadion. Et c'est une sorte de petit corner en faveur des Grasshoppers de Zurich. Voilà, qui va être tiré par Meyer. À terre, ça peut être très dangereux. Et finalement, c'est un corner concédé par Orlando Ucci. Le corner qui va être tiré par Ponté. Oui, car le numéro 10 Ponté, le numéro 7 Meyer sont tantôt en pointe, tantôt au milieu de terrain. C'est une tactique qui peut un peu tromper les Bastiais. Donc un corner tiré par Ponté. Toujours à ras de terre. Décidément, ça peut être très dangereux. Il a eu une main dans la surface, mais elle était involontaire. Et Rep maintenant à contre-attaque. C'est peut-être pas prouvé que les Bastiais soient un peu dominés maintenant, car vous savez que Bastia est très fort par contre-attaque, par Mario qui a la balle en ce moment, par Rep aussi et par Félix. Une lutte terrible, un coup franc en faveur des joueurs du Grasshopper sur une faute de Mario sur Nigel. Ponté, qui cette fois-ci est en position d'ailier gauche, marqué de très près par Orlando Ucci. Il y a aussi Crimo. Oh oui, Meyer joue très bien. Il y a un tir du gauche. Oh, que c'était dangereux, heureusement que Guédon est intervenu. Et un nouveau corner, mais ça va mal pour Bastia en ce moment. Eh bien, ça chauffe sur les buts de Bastia. Il faudrait que les Bastiais se défient de ces corners à ras-terre qui sont très dangereux, qui sont très difficiles à contrôler. Elsener, c'est ce qui est allé tirer le corner à la place de Ponté. Corner facile, justement, il y a. Très très chaud aussi. Ça fait 3 corners et vraiment 3 occasions pour Bastia. La première, c'est Orlando Ucci qui a réussi à la dégager. La deuxième, c'est une balle à ras de terre qui a fusé devant les buts. Et vous avez vu ce corner à demi-volée qui a surpris tout le monde et heureusement qui est passé à côté. Heureusement pour Bastia, sans le temps. Mais le match tient ses promesses en ce sens qu'il est très rapide. On sait que ce sont deux équipes physiques, deux équipes qui ne sacrifient pas obligatoirement au style. Et on tente de part et d'autre de prendre l'avantage. C'est un peu ce qui se disait ici. Alors que Kaz, qui est incertain, victime de talonnade, a pu jouer grâce à une infiltration, vous l'avez vu intervenir. Et Johnny Ray, au milieu de terrain qui file très dur, a trouvé Mario. Mario qui avait été contré par Nagel. Marconi essaie de relancer. Papi détourne la pas pour Mario. Toujours Mario qui parvient à centrer, attention. Il y avait la tête de Félix. Mais devancé par Montandon. Et voilà, ça repart d'un temps sur l'autre, ou presque, effectivement. Manifestement, ce sont des équipes de contre-attaque, mais qui n'hésitent pas à l'une et l'autre à monter en totalité pour faire le jeu. Actuellement, d'ailleurs, tous les Bastiais sont dans le camp des Grasshoppers. La balle était pour Orlando Ucci, mais c'est Hermann qui en a hérité. Ponté. Contré par Papi, les deux numéro 10, mais Ponté a pu récupérer. Longue balle qui était destinée à Schulzer. Becker avait relancé. La Cuesta. Papi. La Cuesta. Courcaz. Qui a un peu oublié ce ballon. La Cuesta.
Papy qui va s'enfoncer. Et oui, mais devancé par Meyer. Mais Bastia récupère. Allez, l'acharnement terrible dans ce match pour l'instant. Johnny Rey pour Papy. Un peu fort. Et oui, pas de Et il avait surgi. Toujours à l'affût, Fanfan Félix avait surgi. Alors que le jeu s'est presque arrêté. Très très bonne occasion de Félix. Sébastien récupéré. Johnny Rey maintenant qui doit être à la réception de la tête. Qui prolonge. Toujours pour Félix. Et intervention de Montandon. L'arbitre avait sifflé. Vous voyez que d'une minute à l'autre, il y a une domination très très nette. De Zurich d'abord, de Bastia ensuite. Ce sont manifestement deux équipes de tempérament que nous avons aujourd'hui face à face. On ne perd pas de temps au milieu de terrain. On ne cherche pas à filasser. On va droit vers le but. Là, nous avons revu cette action des Bastiais. Hermann. Elsener, international suisse, Elsener, attention à son pied droit. Heureusement devancé par Marconi, bien intervenu là. Voilà, passe en retrait pour Dardic. Il n'est pas du tout des 10 000 Corses ici présents. Les Suisses étaient repartis pareil, puis Montandon. Elsener très replié, vous voyez qu'il vient chercher des balles derrière. Contré par Papy. Papy pour Herp. Il a là-bas Félix. Herp a du mal à passer. Herp a du mal à passer avec Becker. Et Becker peut repartir. Alors qu'il y a une lutte entre Becker et la QSTA. Un ballon récupéré par Hermann. Qui assure sur Meyer. Meyer qui va arriver à la limite de la surface. Et attention là-bas, Eagle. Oh, très bon tir de Eagle. Arrière très offensif. Vous voyez que tout le monde monte à ce moment-là. Et arrêt très sûr de Pierre Kia. Mario. Voilà. Visé Grimaud. Et c'est Verny qui a pu récupérer et relancer. Alors qu'Elsener était à la limite du hors-jeu ici, mais prêt à partir. Et que les Bastiais sont montés pour mettre le Suisse hors-jeu. En tout cas, c'est un match très physique, comme vous l'avez dit, on ne s'embarrasse pas de fioritures, entre deux équipes qui pratiquent un marquage assez étroit. Et croyez-moi, on ne se fait pas de cadeaux. Pour l'instant, toujours 0-0 après 14 minutes de jeu, mais que ces Suisses sont dangereux. Dès qu'ils approchent de la surface de réparation, ils sont très rapides et n'hésitent pas à tirer. Maintenant, c'est Bastia qui est à l'attaque, mais Papy est un peu isolé. Et Montandon n'a aucun mal à dégager. Montandon qui est le stopper de cette équipe alors que Hay est le libéro. Papy qui intercepte, qui a Rep à sa droite, qui a Cribo à sa gauche, il préfère donner à Rep. Il va centrer, oui, pour Félix. Oh là là.
coup de portée. Et Bastia mène ici un clinique, un but à zéro. Un but d'un certitude parfait. Un score préparatoire terrible. Tout le milieu de terrain, Bastia a touché la balle. On avait vu Cribon partir, regarde-le. C'est lui qui se lève dans la surface. Du pied gauche, sur le pied droit. Et dans la foulée, oh, le gardien termine à contre-pied. Bastia fidèle à sa légende récente. Vient de se rendre à l'extérieur. C'était la 18e minute de jeu. Et ne pas de plus Bastia marqué à l'extérieur. Bastia qui, je vous l'ai dit, a toujours réussi au moins deux buts à l'extérieur. Et c'est important, vous le savez, en Coupe d'Europe, car en cas d'égalité sur la table des deux matchs, celui qui a marqué le plus de buts à l'extérieur est qualifié pour le tour suivant. Et bien entendu, les Suisses ont été un peu pris de court sur ce but qui attaquait, mais les Bastiais jouent très bien. Regardez Rennes maintenant sur une passe de Papy. Et Bastia qui domine au milieu du terrain, et c'est peut-être là qu'ils vont gagner le match. Le coup franc a été tiré très rapidement, trop rapidement par Rennes, car il avait gagné 5-6 mètres. C'est Papy maintenant qui a la balle, les Corses sentent qu'ils ont le chaos au bout du pied. Ils mènent 1-0. Vous voyez, même Orlan Dusci qui attaque, il cherche Félix. À ce but de Crimo, c'était une merveille. Bastia mène donc par 1-0, ici à Zurich, alors que Ponté était en position d'arrière-gauche. C'est-à-dire qu'il est vraiment partout, il a un souffle extraordinaire. Meyer, loin à l'avant. Ouais, il a poussé dans le dos de Guédon sur le numéro 8 de Verly. Verly et Guédon qui sont... Quelle explication, genre, entre les deux joueurs. Une explication de Verly et Guédon, oui. Ah, mais un tir de Ponté terrible. Meyer est là. Je crois que c'est important pour Meyer d'effectuer de tels arrêts, car il n'a pas l'habitude des grandes rencontres. Nous avons ce public, cette foule, avec cette ambiance, il est en confiance. Et quelle sûreté demain. Ah oui, hier, là, pour un jeune gardien, une sûreté exceptionnelle demain. En tout cas, c'est bien parti pour Bastia. Nous l'avons revu cet arrêt. Alors que nous voyons l'arrêt, oui. Ah oui, il y a marqué rêve, c'est bien sûr, ce n'est pas le genre de Bastia, ça veut dire répétition. Et les supporters corses sont maintenant déchaînés. Longue balle en avant de Hay, qui jouait l'an dernier en Allemagne, il est anglais. Et que le football s'internationalise de plus en plus. Et n'oublions pas que l'entraîneur des Grasshoppers de Zurich est allemand. Il s'agit de M. Johansen. Toujours Bastia qui a le contrôle du ballon. On passe par Rett. Kaz qui est parti à l'aile droite. Rett préfère repiquer au centre par Crimo. On a cherché Rett, mais la passe était un peu imprécise. Et Elsener donne à son arrière-gauche Tecker. Il porte le numéro 2, mais il est arrière-gauche, alors Digan, lui, porte le numéro 3, est arrière-droit. Ah, une attaque de Hay, précisément, dont je venais de vous parler. Ça peut être dangereux pour Hermann, et c'est le but. Et lui, but de l'égalisation de Hermann, le numéro 6. Très beau but. C'est un match, décidément, qui s'annonce fantastique. Un but partout après 20 minutes de jeu. Nous allons revoir cette action qui est partie de Decker, à gauche, et qui est partie par Hay. Vous voyez le libéro Hay qui est monté, qui a vu que partait dans le trou le numéro 6, Hermann qui n'a que 20 ans, c'est un souffleur de verre et qui baillit à un but partout après 20 minutes de jeu, quel match. Et genre, il y a une similitude entre les deux buts comme il y a une similitude entre les deux façons de jouer. Ce sont des garçons qui sont partis carrément sur un service dans la surface et qui ont tenté leur chance et qui ont pris les gardiens contre pied les deux fois. Vraiment, c'est un match passionnant, un match qui mérite. Alors qu'on a peut-être dénigré un peu ces deux équipes en disant qu'elles n'étaient pas des favoris, bien entendu, c'est le groupe UEFA, mais qui mérite vraiment le stade des demi-finales de l'UEFA. De par la conception du jeu, de par les actions qu'on se fait, de par l'intensité qui règne ici à Zurich. Ponté avait devancé Papy. Mario. Orlan Dusci cherche Félix, contrôle la poitrine de Félix, il peut partir. Et oui, qui est chargé, qui éloigne son garde du corps, la QSTA pour Crimo. Guédon. Pour Kaz, très avancé, en position d'ailier droit. Kaz qui se débarrasse d'Elsener. Et qui obtient un corner concédé par Hay, le numéro 5 de l'équipe de Zurich. Oui, cela était prévisible, on le disait tout à l'heure, ce match peut basculer, il peut y avoir des buts, et bien il y en a déjà deux. Après 18 minutes de jeu, et il y en aura sans doute encore, parce que manifestement, ce sont deux équipes offensives que nous avons
corner de Rep. Félix devancé par E. La QSA remet dans le paquet. Mario a récupéré, avait cherché Papy. Mais les Suisses repartent par Becker. Et voyez comment passer les Suisses par l'angle transversale. On cherche là-bas Hermann, l'auteur du but de tout à l'heure. La touche va être sûrement pour Sulzer. Non, il a préféré Meyer. Et Bastia a récupéré. Manifestement, Bastia gagne davantage de ballons dans les pieds. La QSA. La QSA répète à droite. Félix au centre. Ah, il a voulu un peu trop en faire. La QSA, il attendait qu'on vienne vers lui. D'ailleurs, il s'en explique. Il le dit à Félix. Félix qui essaie de fixer les deux défenseurs suisses. Il cherchait un point d'appui, la QSA qui n'a pas trouvé. Corner pour Bastia. Mario. Attention à la tête de Johnny Rep. Et non, c'est plutôt Félix, mais il n'y avait personne à droite. Mais Crémo va pouvoir récupérer. Touche concédée par Hermann, favorable à Bastia. Crémo, la QSA, Crémo, Rep, Caz, Papy. On renverse le jeu. Marchioni. Marchioni va repasser par Papy, c'est fait. Allez, un marquage assez strict du côté suisse, mis à part Crémo qui est pratiquement tout seul. Voilà, Papy l'a compris, il essaie de porter ce ballon très loin pour pouvoir le centrer. Et bel arrêt de Verbeek devant Félix qui avait sauté. Guédon remet le jeu dans le camp suisse, pas pour longtemps, mais casse avec. Favorable aux Corses, remise en jeu pour les Bleus. Et un gros plan sur Johnny Rep. Voilà, qui préfère laisser la touche à Caz. Sans doute pour Crémo. Ah, Crémo qui a laissé passer ce ballon, qui a voulu partir, mais c'est heurté à Hermann. Becker. Toujours très loin devant Becker. Cherche en général Ponté ou Sulzer, elle a trouvé Ponté. Qui lui a cherché Verli, qui est en position d'avancement, mais ça permute beaucoup dans l'attaque suisse. Les numéros ont très peu d'importance en définitive. Il n'attribue pas obligatoirement un poste fixe. Il y a une sorte de tourbillon dans le jeu suisse. Mais quant à dire qu'il ne procède par contre-attaque, cela n'est pas tout à fait justifié. Et voilà, on préfère par Verli assurer sur le gardien Verbeek, alors que Mario devenait dangereux. 25e minute de jeu, un but partout, un but marqué par Crémo pour Bastia et par Hermann pour les Grasshoppers de Zurich. Et toujours au milieu de terrain, tout de même une domination des Bastiais par Crémo là, hein, qui a cherché Mario, mais il a failli trouver Nigel qui a préféré laisser sortir la balle en touche et effectuer la remise en jeu pour son gardien Verbeek. C'était écrit. Alors on souffle un petit peu, et croyez-moi, depuis le début de la rencontre, les joueurs se sont donnés à fond, ils ont attaqué. Hermann, le grand blanc, l'auteur du but, il n'a que 20 ans, dégagement de Crémo, lui aussi très replié, en touche. Et une balle qui était dangereuse, sans parce qu'elle avait pris l'effet, elle avait été touchée au passage, je pouvais tromper la défense corse. Mais ces Suisses ont une façon de jouer qui est peut-être originale, alors que c'est Ponté, maintenant qu'à la balle, qui tire tout de suite, car il n'hésite pas à tirer. Ils ont une façon de tirer des coups francs, les corners, à ras de terre, qui surprend un peu la défense de Bastia, il faut bien le reconnaître. Mais de leur côté, les Bastiais, chaque fois qu'ils ont la balle à l'attaque, sont aussi très dangereux. Longue balle en avant, c'était pour la tête de Meyer. Sulzer, position d'ailier droit, ont permis beaucoup dans l'attaque des Grasshoppers. Les joueurs n'ont pas un poste très fixe, mis à part peut-être Elsener, qui est l'ailier gauche. Toujours Meyer, qui est un peu chauve. Il joue au milieu de terrain et il ressemble un petit peu à Papy, bien qu'il soit main grand. Là, on cherche la faille en ce moment. Avec Montandon qui a donné. Allez, attention, c'est sur l'attaque de Haye tout à l'heure que les Grasshoppers ont marqué. Un relais avec Elsener et un dégagement, un peu à la porte-pièce. Félix est tout seul contre 4 joueurs de Zurich. Contre 4 Suisses. Rep s'est bien battu là et il a obtenu en quelque sorte indirectement une touche puisque Decker n'a plus qu'envoyer cette balle en dehors des limites du terrain. Caz effectue la remise en jeu. Pour Rep, marqué de très très près par Decker. Rep, Crémo, La Cuesta, non, Ponté en retrait pour Meyer. Meyer face à Papy.
Hermann. Hermann qui a très bien vu le numéro 8 Berli. Et c'est un corner concédé par la Cuesta sur une belle attaque de Berli, le numéro 8. Alors on va voir si cette fois-ci encore les joueurs des Grasshoppers vont tirer le corner à terre. Certes, ils varient leur jeu, peut-être là vont-ils enlever la balle. Voilà, à hauteur cette fois-ci, mais c'est vraiment, c'est très très dangereux car ces balles ne sont pas très hautes finalement. Elles sont à hauteur de poitrine et le gardien de but ne peut pas intervenir comme il le ferait sur des corners tirés, disons, classiquement. Il suffit de les toucher, genre soit qu'un avant, soit même qu'un défenseur fasse une erreur. Vous voyez, il suffit de toucher ces balles, elles sont très très fortes en définitive avec un peu d'effet et très dangereuses à la hauteur où elles sont tirées. C'est un peu comme au billard, quoi. On cherche à avoir un bon rebond. Disons que pour l'instant, Bastia a une maîtrise supérieure de milieu de terrain, mais que les attaques suisses sont plus tranchantes. Ils vont beaucoup plus vite devant. Félix, qui avait arrêté un ballon de Cribo. Ref. Un ref qui perd ce ballon, qui essaie de le récupérer, mais battu par Becker. Et descendu par la Cuesta. Monsieur Carpenter fait signe à la Cuesta de ne pas avoir recommencé. Voilà, il indique exactement la faute qu'il a faite, c'est-à-dire de faire attention à ce genre de talonnade. Et oui, l'arbitre a laissé passer entre les jambes, mais Rep a récupéré. Rep peut peut-être partir pour Félix. Ballon récupéré par Montandon, puis par Ponté. Voilà, loin devant et Guédon sur la ligne des 16 mètres. Alors que là-bas, Mario est aux prises avec Nigel. Oh, quelle erreur! Oh, quelle erreur! Pénalty! Et pénalty un peu sévère, il y a eu contact, mais pénalty. Sauté par M. Carpenter, c'est une erreur de Bastia énorme. Qui avait redonné le ballon à Hermann. C'est un fourchage de la Cuesta, je crois. Voilà, la Cuesta. Voilà. Et oui, parce que le gardien n'était pas dans les buts. Hein. Voilà, attaqué dans le dos. Yard était sorti de sa cage et pénalty va sans doute tirer Ponté. Un fourchard de la Cuesta. De jeu, attention. Sans doute Ponté. Et puis, Yard sur le contre-pied. 31e minute. But de Ponté sur pénalty. Que nous revoyons. Et oui, Yard a bien essayé de raccrocher cette balle du pied. Mais il était parti du mauvais côté. Donc, Zurich 2, Bastia 1. Tout ceci à la 31e minute de jeu. Mais ce n'est pas fini. En tout cas, c'est l'impression que l'on a ici sur le stade des Grasshoppers. Et avoir malheureuse la défense bastiaise, double erreur d'ailleurs. Et Cribo, qui avait pris appui sur Félix, hein, que Ref était parti. Les Suisses de Tanou essaient de faire la différence par Hay, très offensif. Il va chercher là-bas Sutzer, Marcioli était pratiquement tout seul pour dégager, il était au point de chute. Voilà, contrôle de Ref. Ref qui part tout seul, qui se rabat sur le centre, cherche Félix en appui, mais devancé Félix, par Montandon. Et même Montandon qui repart d'ailleurs, mal au pied. Relayé par Becker. Puis par Hermann. Hermann qui a Elsener à sa gauche. Voilà, laisse pour Elsener. Dégagement de case. Becker va relancer. Loin là-bas devant pour Berli. Attention au tir du gauche. Non, préféré. Laissé là-bas à Nigel, arrière très offensif. Et belle action ici des Grasshoppers qui peuvent combiner aussi devant. Ça va très vite. Et surtout, n'hésite pas à changer d'aile ou à lancer à toute vitesse des avant-points. Thierry Kiard
Johnny Rep ici. Que le réalisateur Poidel de la télévision suisse suit de près. Et Kofrand concerné par Montandon sur Félix. Oui, je vois qu'on marquera le marquage de Montandon sur Félix. Félix, décidément, n'a pas beaucoup de chance devant lui. Attention, c'est Johnny Rep là qui est dangereux, mais Decker était là lui aussi. Et Johnny Rep l'a un peu poussé dans le dos, mais enfin, la balle est sortie en faveur des Grasshoppers de Zurich. Si vous permettez d'employer l'expression de basketball, je trouve que le Zurich fait le pressing constamment. Je ne sais pas si cette équipe pourra tenir 90 minutes à ce rythme, mais c'est assez impressionnant, car ils sont les premiers sur la balle et ils ont affolé la défense bastiaise, car on peut dire que le but, le pénalty plutôt concédé par Bastia, c'était la suite d'un cafouillage. Les Bastiais, au lieu de dégager, ont perdu la balle et la Cuesta, après, a plus ou moins coché son adversaire à la limite de la surface. De toute façon, Zurich a intérêt maintenant à faire le pressing. Ils ont encaissé ce fameux but à domicile qu'il ne faut pas prendre en Coupe d'Europe. C'est-à-dire c'est un avantage pour Bastia, bien entendu, pour le match de retour. Donc ils ont intérêt à faire une différence supérieure. Évidemment, car à 2-1, ce serait très jouable pour Bastia. Mais il reste encore 10 minutes en première mi-temps et bien entendu, toute la seconde mi-temps. Et allez, long balle en avant. On entend surtout les supporters bastiais qui ne se découragent pas, bien que leur équipe soit menée. C'est à ce moment-là qu'il faut la supporter. S'il peut employer cette expression, en langue utile, le capitaine, qui cherche un partenaire démarqué, qui n'en voit pas beaucoup, car on ne bouge pas beaucoup pour l'instant du côté de Bastia. Voilà, Johnny Rep maintenant. Toujours reprise avec Decker. Voilà, Decker l'a fauché, c'est un coup franc. Monsieur Carpenter va sans doute dire à Decker, attention, la prochaine fois ce sera l'avertissement, calmez-vous, le dit Fessine. Decker marque très bien Johnny Rep, il n'attaque pas franchement Cribo là. Il est un peu de biais quand Rep a la balle, prêt à courir car il ne veut pas se faire prendre de vitesse par Johnny Rep. C'est peut-être une bonne méthode. Attention au contre de casse, non mais finalement SNR a pu donner la balle à Hay, qui lance loin en avant pour Ponté. Mais Guédon est là, et c'est une touche, voyez comment Ponté a poussé, a bousculé Guédon. Ah, ces Suisses ne sont pas des poètes, on nous l'avait dit. Monsieur Carpenter dit à Ponté de se calmer lui aussi. Et la remise en jeu est effectuée par Caz, je pense, pour la Cuesta. Ah, vous voyez, encore une faute, oui, demain, mais l'arbitre a raison de laisser jouer une faute de Verli sur la Cuesta, mais qui est tout seul. Il conserve la balle, Papy est démarqué à gauche, oui. Il regarde si Mario est à son aile, il préfère passer par Rep. Oh, dans la surface, pénalty. Pénalty. Eh oui, un fauchage de Decker sur Rep. C'est extraordinaire. Un pénalty de chaque côté. Ah, c'est la 23e minute, nous allons revoir. Pleine passe dans le trou de Papy pour Rep. Et vous allez voir comment Decker fauche le Rep. Et l'arbitre n'hésite pas, M. Carpenter, enfin. Je n'ai pas tellement lu le fauchage, moi, hein, sans être... En tout cas, l'arbitre a accordé le pénalty. Rep est tombé. C'est un joueur de classe internationale. Il y avait le faute de Decker. Et le pénalty va être tiré par Papy. La balle d'égalisation pour Papy. Puisque Zurich mène par 2-1. Zurich a pris l'avantage sur un pénalty réussi par Ponté. Et Papy va tirer ce pénalty, Berbic dans la tête. On discute parce que M. Carpenter tient à ce que les Suisses restent en dehors de la surface, qui est réglementaire. Effectivement, oui. Ils ont tendance à pénétrer avant. Ouais, il y est. Et but de Papy partout. 36e minute, but de Papy sur pénalty. C'est un match fantastique. Et Bastia vient de réussir ses deux buts traditionnels à l'extérieur. Voilà, je vous l'ai dit. Bastia réussit toujours au moins deux buts à l'extérieur. Et remonte donc au score 2-2 à la 36e minute. Que ce match serait une rencontre en rebondissement, mais c'est fait. Il a même fallu qu'il y ait un pénalty de part et d'autre. Évidemment, ces deux équipes se ressemblent, font les mêmes fautes et profitent des mêmes avantages. Et c'est reparti par les Suisses, qui maintenant, effectivement, peuvent en prendre le contre-moral à la rigueur, bien qu'il ne semble pas qu'ils soient très perfectibles de ce côté, parce qu'ils ont quand même encaissé deux buts à domicile, et cela vaudra très très cher lors du match retour. Pour y aller dans 15 jours. Copain par les Suisses par Ponté. Case repousse, Ponté récupère. Attention à Becker sur son pied droit. Au-dessus. Aïe à Ponté.
Pour la raison, tous ses partenaires étaient marqués. Tous massés dans la surface. Le premier est tenté sa chance de loin. Le voici, Becker. Pris en gros plan par l'organisateur de la télévision suisse qui nous fournit aujourd'hui ces images. Et quel match! Alors que Papy paraît blessé, l'arbitre s'est rendu auprès de Papy, on appelle les soigneurs. Mais n'oublions pas, Pierre, que Papy souffrait d'une légère élongation. Alors, il n'avait pas joué le match retour contre Reims en Coupe de France. Voilà, alors que les Corses scorent de Papy et que Dédé Fraticelli, le masseur, est venu, semble-t-il, pour rien, puisque M. Carpenter le dit que tout va bien et qu'il peut réintégrer son banc de touche où l'on doit être déjà plus rassuré. Il est certain que Jean-François Larion essaie sur ce banc de touche, il sera prêt à suppléer Papy. Mais on sait combien Claude est une pièce maîtresse de l'attaque bastiaise. Orlanducci, pour Papy justement, qui lance loin devant, spéculant sur la vitesse de Crimo, mais la balle est un peu trop poussée. Ce Crimo qui part de loin, puisqu'il joue aujourd'hui milieu de terrain, ce qui lui a permis sans doute d'ailleurs s'inscrire son but. Il n'est plus l'objet d'un marquage serré comme il le fut à Iéna. Attention à Comté, qui rentre dans la surface, mais cette fois-ci contré par Guédon. Et une balle de terre à soulever ce ballon, qui s'est freiné. Vous voyez comme tout peut intervenir dans un match de football. Ce ballon que Guédon donnait à Yard a été freiné par une mode de terre et aurait pu être récupéré par Herman qui était là à l'affût. Rep pour la Cuesta qui donne sur Rep. Contre favorable à Rep. Gaz. Oh, et Rep qui se relève. Qui a taclé pour lui-même et qui se relève. Mario, à la limite de la surface, laisse pour Gaz. Tout le monde s'est déporté à gauche. Gaz peut centrer. Et il n'y avait personne là-bas sur l'aile gauche, mais Félix a pu récupérer. Voilà, petit crochet de Félix, qui arrive à passer quand même. Qui parvient à passer et contré au dernier moment par Hay. C'est une belle action bastienne. Vous voyez qu'on ne se décourage jamais, alors que l'on croyait ce ballon mort. Il a été utilisé jusqu'au bout. Coup franc pour Bastia, joué rapidement par Orlanducci. Mario, la Cuesta, Orlanducci. Marconi était parti en voyage en délire, mais Papy a récupéré. Bon contrôle de Papy. Marconi est venu à son secours et Papy a pu reprendre ce ballon. Et les Suisses concèdent un corner. C'est l'action bastienne, je l'attends pendant 1 minute. On a essayé une première fois par l'intermédiaire de Félix. On a récupéré ce ballon. Et Papy a fait un très beau travail en bas sur l'aile. Corner tiré par Mario. Eh non, mon tendon est très grand et a l'air doué d'une très bonne détente, mais la Cuesta peut remettre dans le paquet. Ah, Caz attendait cette balle pour la reprendre. Au rebond. Orlanducci relance. Et Félix, qui avait bien vu la place au gardien, mais malgré tout arrivait trop tard pour intercepter. 3 minutes à jouer en première mi-temps et toujours 2 buts partout. Bastia s'est bien repris après ce pénalty concédé. Maintenant, Bastia domine. Et oui, on se disait, cette équipe des grands opères ne va pas quand même continuer à ce rythme tout le match. Elle semble faiblir un petit peu maintenant, mais peut-être pas pour longtemps, car les Suisses ont des ressources. Mais tout de même, voyez, là, les passes sont très précises. C'est la Cuesta qui a pu contrôler pour Papy. Un retrait là-bas pour Guédon, qui préfère donner à son gardien de but, IA. Une partie du public siffle, l'autre applaudit. Dégagement loin d'avant d'hier pour la tête de Crimo. Caz. Toujours des balles un peu plongeantes et à son gardien de but. Et cette fois-ci, ce sont les Bastiais qui sifflent, alors que les Suisses ne disent rien. Ils sont un peu. Mais ils sifflent parce que Rep a été retenu par le poignet. Sur un départ, loin du ballon, Rep a été retenu. Ils voient tous ces Corses. Ah, Félix a vraiment beaucoup de mal avec Montandon qui est bien plus grand que lui. Et Félix, qui marque pourtant très souvent début de la tête, n'a pas beaucoup de balles aériennes. Allez, Bastia qui tombe toujours, ce sera bientôt la fin de la première mi-temps. Je vous rappelle la marque 2 à 2,
puis de Crimo à la 18e minute, d'Hermann à la 20e, et les deux autres sur pénalty par Ponté et par Papy. Alors que nous sommes dans le camp des Bassiers, mais la balle est aux joueurs corses. Hermann, non, Papy. Félix a été plus rapide qu'Hermann. Encore contact par Orlanducci qui a trouvé Rep, bien entendu, sur les droites. Rep a essayé de déborder Decker, mais regardez comment il le marque, Decker. Il est pratiquement de biais par rapport à lui. C'est quand même Rep, Decker qui a donné la balle à Rep cette fois-ci. Ah, Rep a oublié la balle. Rep qui a complètement oublié la balle. Ce qui permet la contre-attaque des joueurs des Grasshoppers de Zurich. Dans l'avant-centre Sulzer. Attention, c'est un joueur très rapide, il essaie de percer à gauche. Malgré Marchioni qui le suit. Marchioni qui a réussi à dégager en touche, mais que ses attaquants sont dangereux. Elsener par exemple, qui réussit à centrer pour Hermann. Mario très replié pour Papy. Ah ben c'est à tout le monde est en attaque, tout le monde est en défense. Vous voyez Papy à position d'arrière gauche en ce moment pour Orlanducci qui lui au contraire va attaquer, qui a vu Crimo débarquer. Crimo pour Rep. Le Decker suit toujours. Crimo, marqué lui par Hermann. Mario, il vient faire un tour sur l'aile droite. Mais de son pied gauche, il peut donner un retrait à Crimo. Voilà qui est fait. Là, les Bassiers se cherchent un petit peu. La Cuesta qui revient en arrière et il prend du champ, il a raison. Mais il est suivi par Verli. Orlanducci. C'est bien joué ça de la part d'Orlanducci pour Marchioni. Deux décors de cette équipe, Marchioni qui attaque à l'aile gauche. À rentrer pour Papy. Marchioni, Papy. Papy qui va se saisir lui de la balle, mais il ne pouvait pas centrer, c'était très difficile. Allez, fin de Papy, mais finalement ce sont les joueurs de Zurich qui ont le dernier mot alors que nous jouons la dernière minute. Crimo avec Hermann à rentrer pour Decker. À mon chronomètre, la première mi-temps est terminée. La Cuesta, peut-être encore une attaque des Bassiers, la dernière par Johnny Rep. Voilà, Johnny Rep qui n'a pas été très heureux, qui a du mal. Johnny Rep qui a des difficultés, tout comme il en a eu à Iéna pour passer. Et la fin de la rencontre, M. Carpasser, titre de la mi-temps, sur le score de 2-2 ici à Zurich. Nous vous retrouvons tout à l'heure, bien entendu, pour la deuxième mi-temps des règles de cette rencontre. Oh!
perdu dans les cris de la foule, dans les sifflets des spectateurs. Et jamais peut-être ce stade n'avait connu une telle ambiance. Déviation à la tête de Rep, mais reprise par Becker là-bas. Conseil de la touche. Caz. Félix a réussi à dévier de la tête une balle que convoitait Crimo. Mais dégagée par Herman, Becker va laisser passer, Elsener aussi. Qui permet à Caz de repartir, qui profite d'un contre d'ailleurs. Mais récupération par Meyer. Meyer loin devant pour Elsener. Devancé par Quénon. Touche pour les Suisses. Fonte. Fonte, Elsener. Herman qui a essayé de lancer là-bas le numéro 9 sur terre, l'avant-centre. Mais le bastion a récupéré. 3 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Score 2-2 entre les Grasshoppers à Bastia. Alors que Montandon s'était un peu appuyé ici sur Félix, l'arbitre a laissé jouer. Orlanducci, Guédon contre le Sulzer. Mais Guédon intervient à nouveau. Papi qui prolonge pour Félix. Félix en pivot. Crimo, la Cuesta. La Cuesta, Papia qui essaie de remettre. Ils ont tenté le 1-2. Papia pensait que la Cuesta devait s'infiltrer dans la surface. Les Suisses dégagent tranquillement. Herman pour son gardien, Ferbig. Quel sang-froid, Herman. Il n'a que 20 ans. Il y a 2 mois, il jouait en 4e division suisse. Rendez-vous compte. Papi de la tête cherche Félix. Papi qui récupère. L'arbitre fait signe de continuer, laissant jouer la loi de l'avantage. Marchioni met interception par Sulzer. Et là, cette interception ratée par la Cuesta. Herman pour Sulzer, qui a Elsener à sa gauche. Herman qui pénètre dans la surface. Voici Herman. Oh, heureusement, dégagement de Crimo. Loin là-bas pour Rey. Mais les joueurs semblent souffler un petit peu. Il faut dire qu'ils ont fait une première mi-temps assez extraordinaire. Toujours Herman qui était replié et qui a pris la balle dans les pieds de Gass. Une faute de Rep, une faute sur Rep plutôt, pardon, excusez-moi, une faute de Meyer sur Rep, les deux numéros 7. Une faute de Rep sur Meyer, voilà, j'y suis. Numéro 8, c'est Verli. Attention toujours à ce Ponte. Ponte qui est le meilleur joueur suisse depuis le début de la rencontre, c'est le numéro 10. Il est un très bon technicien, très rapide. Il a toutes les qualités d'un attaquant moderne. Sulzer, l'avant-centre, aux prises avec 3 Bastiais et finalement c'est Caz qui dégage en touche. Et chercher la faute. Marchioni, pardon, qui dégage en touche. Oui, chercher la faute, il cherchait le pénalty, pourquoi pas, il en a déjà eu 2. Je vous rappelle qu'après 5 minutes de jeu, toujours 2-2. Une marque bien sûr qui est favorable à Bastia, si la marque ne change pas, étant donné que les Bastiens ont réussi 2 buts à l'extérieur. Le public crie Bastia, attention à cette passe en retrait pour le Deagle qui était tout seul, le numéro 3. Félix qui se bat, mais il a fort à faire avec Montandon, un très bon stopper. Mario, Papi, la Cuesta, oh, un coup de poing de Sulzer. C'était peut-être involontaire, mais la Cuesta est KO sur ce coup de poing de Sulzer, alors que l'arbitre, lui, M. Carpenter, lui fait signaler, relevez-vous, mais il a quand même été touché, même si c'était involontaire. Ça fait tout de même mal. Guédon va tirer ce coup fort, à l'avant pour Mario ou Félix. Crimo est là, Papi aussi, et la balle est finalement dégagée, mais pas pour longtemps, car c'est Orlanducci qui a donné à Rep. Johnny Rep qui cherche un 1-2 avec Félix. Papi, les joueurs de Bastia attaquent maintenant. Elsener très replié. À l'avant pour Ponte. Aux prises avec Orlanducci. Touche en faveur des Bastiais. Caz pour Félix. Félix pour Caz. Il n'est pas hors jeu. Un centre. Oh là là, il y avait Mario, il y avait Rep. Mais le centre n'était pas assez en retrait.
Et oui, Becker est intervenu sur cette action et a pu enrayer ce centre de Félix qui était très dangereux. Alors que Mario Herrep était à l'affût. Vous voyez que cette deuxième mi-temps, pour l'instant, en tout cas, au bout de 7 minutes de jeu, correspond tout à fait à l'image de la première. On va d'un but sur l'autre, on se crée des occasions de part et d'autre, et Mario ici. Sur le bas de Papi. Ah, Papi battu, je ne pas de Mario, et Sulzer, très puissant. On pise avec Marchioni, qui le suit comme son ombre. Le tac de Marchioni avait réussi. Les Suisses ont quand même récupéré. Et une déviation de Verli pour lui-même qui va pouvoir centrer. Attention, il y a deux Suisses là-bas. En particulier, Schulzer qui était bien placé. Hermann. Hermann sur son pied gauche. Contré une première fois par Caz, puis par Crimo. R récupéré pour les Suisses. Becker, très offensif, cherche le 1-2. Et finalement, Caz assure en touche. Hermann à la touche. Bien joué de la part de Verli qui essaie de soulever ce ballon. Et corner concédé par Bastia. Attention numéro 7 qui est tout seul. Meyer. Il va partir de la limite de la surface. Montandon aussi, numéro 4 qui est monté, qui est très grand et qui a très beau jeu de tête. Et le voilà, Montandon, c'est lui, vraiment lui. Je vous dis attention, Montandon, et c'est lui. Il était manifestement un peu délaissé. Très très bon joueur de tête. Et puis de Montandon. Ah, c'est une erreur de défense bastienne. Il faut surveiller ce joueur. Il n'est pas sans rappeler physiquement. Regardez le Montandon, lui, il est parti. Et voilà, bien plus haut que les autres. Yard n'y peut absolument rien. Oui, alors Pierre, bien vu d'avoir signalé Montandon, mais c'est Félix qui aurait dû le suivre. Et alors oui. Montandon marque Félix, et quand un stopper manque sur un corner, il faut que l'avancante le suive. Et là, Félix ne l'avait pas suivi. 54e minute de jeu, Zurich reprend l'avantage par Montandon. Zurich 3, Bastia 2. Il n'est pas d'ailleurs ce Montandon en question que vous voyez ici sans rappeler un joueur de Bastia, Paul Edcamp. Même détente verticale, même cheveux brisés. Il faut que Bastia reste plus vigilant sur les corners. Depuis la partie, nous n'avons pas cessé de répéter, ils sont très dangereux. Pierre, j'ai l'impression que pendant que nous regardions le ralenti, Larios a remplacé Mario, je crois. Larios est effectivement rentré sur le terrain. Alors que Bastia ici passe Caz à toute vitesse. Oui, je ne vois plus Mario. Je crois que Larios a assuré en corner. Voilà, Larios, effectivement. Le voilà, avec le numéro 13, Jean-François Larios qui fait son entrée. Ce qui voudrait dire que l'on jouerait davantage au milieu de terrain à Bastia. Que Crimo monterait à l'avant plus souvent. Et Montandon est encore là tout seul. Hein. Thierry Quillard. Sur ce corner, Montandon est encore là tout seul. À Bastia du mal depuis le début de cette deuxième mi-temps. C'est pour ça que Pierre Cahuzac, non, pour prendre la main par Becker. C'est pour ça que Pierre Cahuzac avait choisi de faire entrer Larios. Sa technique et sa puissance au milieu de terrain pour peut-être maîtriser davantage ce ballon qui échappe un peu l'équipe de Bastia depuis quelques instants. Papi pour Larios, l'homme frais, devancé par Nigel. L'arrière très dur ce Nigel, très très bon sur l'homme. Là, Larios a essayé de récupérer mais les Suisses repartent par Ponté. Comptez toujours, avait trouvé Meyer, trouve maintenant Sulzer. Oh, l'erreur! Attention, Marchioni peut sauver! Eh oui, quelle occasion pour les Grasshoppers! À quelques mètres de Thierry Quillard qui
Vraiment, on n'aurait plus rien faire. Mais... voilà, vous l'avez vu, complètement loupé, la reprise. Et on a eu chaud dans la défense de Bastia. Si Berli avait pu contrôler ce ballon. 12 minutes de jeu. Zurich 3, Bastia 2. Et oui, 3 à 2 pour Zurich, alors qu'on pensait que les Zurichois paieraient en deuxième mi-temps la débauche d'efforts fournie en première. Eh bien non, ce sont les joueurs des Grasshoppers qui ont marqué le premier but de la deuxième mi-temps, 3 à 2, mais bien sûr, faire 3 à 2 à l'extérieur, et ce n'est pas encore fait pour Bastia qui, vous le savez, a des ressources. Chaque fois que Bastia encaisse un but, la plupart du temps, il réplique. Et pour l'instant, après 13 minutes de jeu, ce sont les Grasshoppers de Zurich qui mènent par 3 à 2. Déjà 5 buts et c'est toujours Zurich attaque. Sur la gauche par Elsener. Voilà, Mucci était bien placé, mais c'est un corner. Et attention à ce corner, je surveille mon tendon qui monte, mais que personne dans le camp de Bastia ne semble regarder. Ah si, je pense que cette fois-ci, c'est Larios qui va le marquer. Larios qui lui aussi est très grand, non. Voilà, cette fois-ci, on surveille mon tendon, c'est la Cuesta qui l'a surveillé. Alors les Suisses, de toute façon, ont envoyé la balle au centre du terrain, car bien entendu, maintenant, Montandon va être surveillé. Tout à l'heure, il a surpris la défense bastiaise, on ne l'attendait pas à cette place-là. Dégagement de la tête de Crimo. Montandon. Pour son arrière-droit, Nigel. Hermann, le tir du gauche, attention. Heureusement, un contre de Marchioni. Toujours la balle pour Nigel. Aux prises avec Guédon. Et un dégagement de Papy. Destination de qui? De Serep qui a la balle maintenant après un relais de Félix. Les longues enjambées de Johnny Rep qui a Larios à sa droite. Qui préfère repiquer au centre. Oh là là, pour la Cuesta, les deux anciens stéphanois se cherchent un petit peu sur le terrain. C'était bien joué de la part de Larios, la passe dans le trou. Et c'est une touche en faveur des Bastiais. C'est Papy qui se saisit de la balle pour la Cuesta. Et finalement, contre-attaque des Suisses. Attention aux contre-attaques des Suisses par Verli. Pour Sulzer. Fauché par Marconi, en fait, un tac, disons, qui était régulier. Roland Ducci pour Rep. Rep aux prises avec Becker. Cherchant une deux, toujours Rep avec l'avant-centre Félix. Et un repart, longue balle à l'avant de Meyer. Talonnade de Elsener. Crimo est très replié maintenant. Il joue en quelque sorte demi-défensif. Attention à la rapidité. Oh, il était temps que Guédon intervienne. Belle intervention de Guédon alors que ses joueurs suisses sont toujours aussi rapides que depuis le début. Ils ne faiblissent pas. Ils semblent avoir les 90 minutes dans les jambes. Et ça repart du côté Bastier par la Cuesta. Après, le match est de nouveau plein, avec un très bon engagement physique. Félix a réussi son contre, là. Et la balle maintenant pour Bastia, ce qui n'est pas du goût des spectateurs suisses. Papy est bien placé, là, et c'est un corner. Voilà, le combat a changé de camp, tout au moins momentanément. Corner Bastien tiré par Papy. Surveillant plus particulièrement Johnny Rep ou Jean-François Larios. Et bonne intervention de Berbic. Très très sûr, surtout dans les balles aériennes. C'est un des points forts de cette équipe des Grasshoppers. Avec les hommes que nous avait annoncés, mais aussi celui qu'on nous avait caché, c'est-à-dire le numéro 6, Hermann. 20 ans, un métier extraordinaire. Et une condition physique à toute épreuve, puisqu'on le retrouve à tous les coins du terrain. Et qui a passé Johnny Rep, mais non sans mal. Coup franc contre Bastia. Donc l'US se tient la cuisse droite. Ce qui n'empêche pas de tirer ce coup franc. Non, suppléé au dernier moment par Sulzer. Becker. L'arrière-droit qui va pouvoir centrer.
Profonte. Papy a repoussé mollement. Johnny Rep acrobatiquement. Allez, Bastien se font faucher les ballons maintenant. Et Félix, qui est venu prêter main forte à son milieu de terrain. Ah, une balle qui pourrait passer pour Orlando G, qui manque maintenant derrière. Tous les contres sont possibles dans cette bataille de milieu de terrain maintenant en haut. On essaie de contrer de part et d'autre. Ah, Papy, l'arbitre l'a joué, alors qu'il y avait manifestement faute. Ponté a récupéré. C'est le tourbillon maintenant du côté des Suisses. On l'avait laissé pour Herman. Casse tranquillement. Mais il n'y a plus de Bastien devant. Ça, Bastien, subissant le jeu depuis quelques instants, a tendance à se recroqueviller. Et effectivement, les Suisses ici par haie ont un peu la maîtrise du jeu. Case, Papy. Là, il faut calmer au milieu de terrain. Il faut récupérer ce ballon. Et non, on lance Johnny Rep, mais ils étaient deux et Montandon a pu dégager en touche. Action typique de Bastien sur contre-attaque. Mais le jeu bascule un peu. Marconi, la Cuesta, Papy, la Cuesta. On va se retrouver en position d'ailier gauche. Ouais, non. Il trouve le talon de son adversaire direct, en l'occurrence Becker. Touche favorable aux Suisses. Même un coup franc qu'a accordé M. Carpenter. Paraissait pas très évident, mais M. Becker était sur l'action, tout près. Papy, avec un appui sur Meyer. Grimaud, alors que Félix et Rep sont devant. Et il trouverait. Il a réussi à reprendre ce ballon de son pied gauche. Attention à Rep qui peut se présenter à la hauteur du poteau. Et non, ça passe pas chez Johnny Rep. Un temps de retard dans toutes ses actions. Voilà, explication entre Johnny Rep et Becker sur ce tacle à toute vitesse de Rep. Becker n'en était pas content. Et l'a fait savoir Johnny Rep. Quant à l'arbitre, il explique aux deux joueurs le pourquoi et le comment de ce qui s'est passé d'abord et de sa décision ensuite. Et sa décision, c'est un coup franc, on s'en doutait un peu, pour Becker. Voilà l'action, vous la revoyez, sans les tacles glissés de Johnny Rep. Et voilà, ça repart immédiatement sur le camp des Bastiais. Rep qui a pu dévier, qui trouve Jean-François Larios. On vit un peu le ballon au passage. Va chercher Papy sûrement, voilà c'est fait. Rep est en position là-bas d'avant-centre, Larios part à gauche. On va faire passer par Orlando Chim, il a trop soulevé ce ballon, mauvais contrôle, ce qui permet aussi de se dégager. Et la balle s'énerve. Aux prises avec Case, excellent. Vraiment magnifique de précision. Larios profite. Ah non, la touche est. Puis se met en oreille. Je pense qu'elle est bastiaise, effectivement. Je vois que les Suisses sont un peu précipités. Déviation de Grimaud pour Larios. Félix en embuscade, mais Verbeek le premier sur le ballon. 20e minute de jeu, toujours 3-2 pour les Grasshoppers de Zurich. A noter que depuis la sortie de Mario, Johnny Rep est ailier gauche maintenant, alors que Larios est ailier droit. Et Johnny Rep qui tire du droit, qui a été suivi de très près par Becker. Becker est passé donc derrière gauche à arrière droit pour continuer à marquer Rep. Et effectivement, Rep peut être dangereux sur des descentes à gauche car il rabat la balle vers le centre et tire du droit. Ça peut surprendre le gardien de but. En attendant, ce sont les Suisses qui attaquent par P. Le libéro qui est souvent à l'attaque. En première mi-temps, c'est lui qui était l'origine du premier but. Becker. Hé. Attention à la contre-attaque par Crimo pour Larios à sa droite. Il y a Rep qui n'est pas à son aile gauche, qui est en position d'avant-centre. Alors que Larios cherchait l'autre ailier. Mais tous les joueurs bastiais étaient au centre. Meyer, longue balle en avant. Le Guédon a pu dégager. Là, on joue un peu à l'emporte-pièce. Évidemment, c'est difficile pour Félix de contrôler ses balles aériennes face à un grand joueur comme Montandon. Rep de la tête, Félix, qui a très bien vu Orlando G, qui a Papy à sa gauche. Préfère repiquer au centre. Marqué de très près par Ponté.
un contre heureux pour Orlanducci, mais la balle est envoyée trop loin. Et les Suisses repartent, ils ne se découragent jamais. Ponté, vous voyez qu'il était en défense, qui maintenant est en attaque, intervention de Guédon. Ça repart, c'est comme en première mi-temps, ça joue très vite. Orlanducci pour Larios. Va-t-il être plus rapide que Nigel? Et c'est Nigel qui dégage en touche. Très bien, ce fait Larios, là, parce qu'à Paris, c'est une balle perdue. Il a obligé les Suisses à concéder une touche. La Cuesta, très bonne technique, la Cuesta qui va centrer du gauche. Dégagement de Becker. Sulzer. Il est un peu seul, Sulzer. Ah si, là, Elsener à sa gauche, ah bah non, c'était Ponté. Ah, les Suisses remontent vite en attaque. On les voit tous en défense et puis tous en attaque. Attention, au 1-2 avec Sulzer. Dégagement, mais toujours la balle pour les Suisses par Verli. Et oui, il va contrôler la balle. Oh, de justesse. Et il préfère centrer du gauche, bien qu'ils soient en position d'ailier droit. Orlanducci, Papi, Larios. La contre-attaque des joueurs de Bastia par Crimo, qui a très bien vu Papi là-bas. Il y a un grand trou devant Papi. Il y a aussi Meyer. Mais Larios contrôle tout de même cette balle, va sans doute tirer ou centrer. Oh que c'est dangereux, répétez-la. La balle dans le dos de... Et la balle est récupérée par Crimo, qui réussit à centrer, mais l'angle de tir était couché. C'est là vraiment qu'on voit, Jean, que Johnny Reff n'est pas en forme, parce que c'est des occasions qu'il ne rate jamais. Vraiment, il n'arrive pas à passer d'un côté, et là, il rate toutes ses reprises. Et heureusement qu'une fois de plus, il y a une intervention de Marchioni. Car les Suisses ne sont jamais aussi dangereux que quand ils sont dominés. Ils sont tellement rapides. C'est Sulzer, Elsener, Meyer maintenant. Il y a Sulzer, il donne à Sulzer. Elsener à gauche, il va sans doute centrer. Aux prises avec Marchioni. Et un dégagement. Mais malheureux Félix est tout seul. Au milieu de et de... Montandon, il ne pouvait rien faire, il s'est battu Félix, mais il n'a pas touché beaucoup de balles. Il faut dire que le jeu de Bastia a surtout été orienté sur les ailes. Montandon, on souffle un peu du côté des Grasshoppers de Zurich. Becker pour Verli. Attention au tir du gauche de Verli, mais l'intervention de Guédon. Encore un contre de Caz. La balle pour Larios. Hermann à l'aile gauche. Chargé dans le dos par Orlanducci. C'est un coup franc qui est une sorte de petit corner à la 25e minute de la deuxième mi-temps. Et toujours 3-2 pour les Suisses. Ça, manifestement, Bastia, malgré les quelques attaques de tout à l'heure, a moins la maîtrise du jeu qu'en fin de première mi-temps. On avait l'impression que la condition physique des Suisses baissait. Et puis pas du tout. Pendant ce quart d'heure de repos, ils se sont refait une santé. Et voici maintenant au coup franc. C'est Ponté qui est tiré par Ponté. Jolie balle et très très belle intervention de Yard. Croyez-moi, la balle était brossée, elle était touchée au passage, très difficile. Yard très sûr. Il faut bien entendu que les Grasshoppers se créent une différence supérieure s'ils veulent avoir des chances au match retour. Pour l'instant, je vous rappelle le score, si vous prenez l'antenne, il est de 3-2 en faveur des Grasshoppers de Zurich. Ah, Marchioni n'a pas pu complètement dévier cette balle, qui profite à Sulzer. Il y a un duel terrible d'ailleurs, un duel très physique entre Marchioni et Sulzer. Vous avez retrouvé Elsener qui cette fois-ci se trouve en position d'ailier droit, qui arrive à passer, attention au centre. Et calmement, Guédon en corner. Très très calme Guédon. Confirme ses sorties précédentes dans cette coupe de l'UEFA. L'UEK sont vraiment impressionnants dans l'arrière-défense bastiaise. Corner tiré par Hermann. A préféré jouer sur Sulzer. Et la Cuesta a obligé de concéder un nouveau corner. Le même Hermann va le tirer. Cette fois-ci, sans doute en l'air, voilà, c'est fait. Attention à Montandon, voilà, c'était encore lui, il a surgi.
La balle était à côté, mais quel joli jeu de tête ce joueur. Une détente verticale extraordinaire. Et des têtes très directives, très bien placées. Yard. On a du mal maintenant à prendre les ballons à Bastia. Félix qui était touché dans cette action, lui s'est heurté à Montandon. Sans gravité, les Suisses repartent. Sonneur déviation, à chercher Filzer au centre, mais Orlandocci, bousculé par Ponte, profite d'un coup franc. Voilà, les deux hommes se serrent la main. Guédon. On va chercher Caz. C'était parti à toute vitesse. Et attention, il y a un trou maintenant. Ah oui, Guédon a fait la faute sur Sulzer. Il y a sans doute un avertissement. Voilà, l'arbitre fouille dans sa poche, regarde le numéro et sort un avertissement à Guédon. Alors que le coup franc a été rapidement joué, mais l'arbitre ne suit pas le jeu, donc ce sera un coup franc sans doute à retirer. L'arbitre pour l'instant inscrivant le nom de Guédon sur le carton jaune. Voilà, coup franc rejoué par Hay. Attention au départ de Verli, qui est tout seul au départ de cette action. Guédon est bien revenu. Les Suisses réclament une faute. L'arbitre a joué. La QSA peut relancer pour Johnny Ray. Ballon trop fort, trop rapide. Et touche pour les Suisses par Becker. Meyer et trouve là-bas Sulzer. Il veut partir tout seul. Marconi toujours sur lui. Voilà, prend appui sur Papy. Et on peut relancer pour Crimo, que l'on voit plus tellement depuis quelques minutes, Crimo. Dans un rôle plus obscur, tendance à jouer davantage derrière. Larios pour Crimo, Papy, sans doute pour Rep, c'est fait. Rep qui a du mal à trouver un partenaire. Ah, cherche Papy, mais Félix m'a dévancé par Montandon. On a récupéré par Orlandocci. Rep. Papy. Personne à gauche, donc on ne peut pas prendre appui sur la gauche, on ne peut faire que passer lui-même. Contré par Becker. Coup franc pour les Suisses. Que tire est Sulzer. Papy le prime du ballon. Larios. Papy. Marconi. Pratiquement en position d'ailier gauche. À Larios à sa droite. Qui dévie pour Félix. C'était Montanon qui était là. Mais Papy a récupéré. Ah oui. Main du joueur suisse à terre. Et l'arbitre ne voit rien. Alors ça c'est formidable. Il est à deux mètres de l'action. Alors que Meyer s'est nettement aidé de la main pour contrôler ce ballon. Et Hermann qui part très très vite là-bas, qui partait très vite. Contré par Johnny Ray. Et oui, il ne semble pas fatigué, ces joueurs de Zurich continuent à attaquer, mais là, ce sont des passiers quand la balle par Crimo, le long transversal pour Larios. Après 31 minutes de jeu, Zurich mène toujours par 3 buts à 2. Larios, qui est maintenant passé ailier gauche, qui a donné à Papy alors que Johnny Rep est revenu à son poste d'ailier droit. Papy. Larios, Johnny Rep. Et non, pas assez rapide Johnny Rep. La passe n'était peut-être pas assez appuyée. Et ce sont les Suisses à nouveau qui attaquent. Qui repartent. Oh, une transversale à la décision de Verli. Eh oui, c'est bien joué car Verli n'a pu récupérer cette balle. Il court vite, mais pas assez.
et le transversal de Nigel pour Verli. Ah, ils jouent vite et bien, les Suisses. Je crois qu'on avait un peu mésestimé cette équipe des Grasshoppers de Zurich. En tout cas, Bastia a réussi une excellente performance. Car pour l'instant, les Bastiais ne sont menés que d'un but. On réussit deux buts à l'extérieur. Si la marque ne changeait pas jusqu'à la fin, ce serait très jouable pour le match retour. Et les supporters corses réclament deux Zerbi sur l'air des Lampions. On réclame deux Zerbi pour remplacer qui, Johnny Rep ou Félix, dans ce cas-là, qui passera avant Sandre. C'est le problème qui est posé en tout cas à Pierre Cahuzac. À 12-13 minutes de la fin de la rencontre, avec toujours une attaque d'Elsener face à Caz. Ah, c'est bien l'équipe annoncée, une équipe qui joue très très vite par ses deux ailiers. Elsener, alors qu'il y a un changement. Je pense que c'est Sulzer qui va sortir dans l'équipe des Grasshoppers de Zurich. C'est le premier changement dans l'équipe suisse. Dans l'équipe bastiaise, il y a eu un joueur qui a changé, c'est Mario qui a été remplacé par Larios. Donc sorti de l'avant-centre, Suzer. Et pour l'instant, on ne nous a pas annoncé le numéro 13. Bosco. C'est Bosco qui rentre à la place de Suzer. Bosco, numéro 13, remplace Suzer. Un changement de chaque côté et toujours 3-2 pour Zurich. Eh oui, une charge irrégulière là de Becker sur Johnny Rep. Becker qui n'a pas lâché le Néerlandais pendant toute la rencontre. Avertissement. Voilà, les supporters bastiais applaudissent. Un avertissement partout. Avertissement à Becker pour une charge brutale sur Johnny Rep. Alors que Guédon tout à l'heure a été sanctionné de la même façon par l'arbitre irlandais. Monsieur Carpenter, en tout cas c'est un coup franc qui va être tiré par Orlanducci pour Rep. Oh là là, une faute de Montandon, enfin un loupé disons. Et c'est Larios qui a la balle, Larios qui est ailier gauche maintenant, qui obtient un corner. Car Nigel a envoyé la balle en corner, une partie du public proteste. Mais Larios tire tout de suite le corner, mais Nigel dégage. Marchioni, Guédon. La Cuesta qui va tirer du droit, c'est un bon tir, contré. Balle à heurter le dos de Montandon. Et grand dégagement, loin en avant. Pour Elsener, mais c'est casse de la tête. Et ça repart et hors-jeu. Et oui, bien vu de la part du juge de touche. L'arbitre, lui aussi, était bien placé. Hors-jeu d'Elsener, qui permet au Bastier d'attaquer maintenant. Le coup franc est tiré par Guédon à destination de Félix. Hermann. Rep, ah Rep qui n'arrive pas à se saisir de cette balle, on a l'impression qu'il manque un petit quelque chose au Néerlandais. Ce fameux dixième de seconde qui permet de déborder les défenses et de marquer les buts. Ponté a suivi la part. Orlanducci qui est presque collé à lui. Souffle un petit peu. On cherchait Verli qui est en position d'ailier gauche. Les Bastiais dégagent un peu n'importe comment. C'est une touche. Et attention, remplaçant précisément, heureusement qu'un défenseur marseillais est intervenu, car Bosco, le remplaçant, était là, et c'est un corner en faveur des Grasshoppers de Zurich. Et concédé par Marchioni, l'extrémiste d'ailleurs, un très beau geste de Marchioni juste devant son but, et il y avait une erreur d'ailleurs de la défense marseillaise qui avait laissé Bosco tout seul. Corner donc pour les Suisses, dégagement de Guédon, prolongé par Papy, récupéré par Meyer, qui a voulu tirer mais s'est trouvé devant une forêt de joueurs. Et remise en jeu. Par Papy. Alors que Monsieur Carpenter lui redemande de rejouer. Voilà, c'est un coup franc que joue Guédon, mais personne n'avait vraiment compris ce qui s'était passé. Alors que les supporters bastiais maintenant
à 10 minutes de la fin, semble qu'il faut encourager leur équipe. Désirant et souhaitant qu'elle obtienne au moins l'égalité pour le match retour, Larios, malgré la charge de Nigel, obtient le coup franc, le joue rapidement sur Orlanducci. Orlanducci dans la surface, Crimo, Larios. Ah, il y a deux Suisses devant. Difficile, centre du pied gauche, mais trouve Meyer. Caz pour Papy. Ah, joli blocage de Papy, qu'a laissé d'ailleurs. Pour Larios. Oh, quelle belle occasion, Bastiez. Quelle belle occasion, Bastiez, sur cette accélération. Le revoyons d'ailleurs. Le geste de Papy qui avait laissé et la balle malheureusement qui passe à côté. Mais ce n'est pas terminé. Bref, long centre pour la tête de Félix. La Cuesta. Caz, reprise avec Ensener. Qui avait débordé mais a trouvé une touche. La Cuesta. Alors on joue quand même moins vite que tout à l'heure, il y a une certaine fatigue. La Cuesta, qui avait trouvé Larios, balle trop poussée, est sortie pour les Suisses, remise en jeu par Nigel, qui a trouvé là-bas Ensener, se présente face à Orlanducci, va faire se rabattre par le centre, intervention casse. Rep. Ah non, mauvais service de Rep intercepté par Ensener. Orlanducci a pu sauver. La Cuesta. Larios fauché. L'arbitre siffle et demande à Nigel de jouer plus calmement. Comprend jouer très vite. Et l'arbitre demande à ce que l'on joue à l'endroit qu'il avait indiqué précédemment. Il y a moins d'action que tout à l'heure, c'est certain. Le rythme a quelque peu baissé. On se trouve moins facilement. Guédon. Donc, balle dans la surface. Johnny n'est pas remis, mais c'est un Suisse qui en a profité. Marconi va pouvoir intervenir. Remet cette balle dans le paquet. Meyer l'a récupéré. Contre le Rep. Et départ de Becker. Attaqué par Papy. Becker qui a bien la charge, Bosco assure sur Sulzer, oh, retrouve ce ballon, attention, oh, belle action de Bosco et Sulzer et un risque de faute ici pour les Bastiais, Bosco filait très vite, Papy, sauf que l'on a une touche pour Rep, enfin Rep dans 16 heures, parti très vite, eh non, Rep n'a pas osé tenter à chercher Félix, Papy peut centrer encore, balle dégagée par Hay. Et corner, puisque Vermix en est saisi derrière la ligne. Ah, il y a eu de très belles accélérations de part et d'autre. Et peut-être que Rep, conscient du fait qu'il n'ait pas fait une grande partie, n'a pas osé tenter sa chance. Regardez, Johnny Rep, qui aurait peut-être pu tirer, et qui essaie de chercher Félix sur son pied droit. Et il ne l'a pas trouvé. Bonté. Pour Verbig. Crimo, Papy. Crimo, ah, ces ballons ne sont pas assez poussés. Rep. Alors que Orlanducci, pour en position d'ailier gauche, parti très vite. Contré par Becker et corner. Accordé par M. Carpenter. C'est Rep qui va tirer ce corner. Alors que les Bastiais sont tous en face du deuxième poteau. Ah, Papy se précipitait, Félix aussi, mais avait été plus vite qu'eux. Remise en jeu, Caz. Cette
C'était destiné à la QSK. Les Suisses ont récupéré Ponte. Ponte qui a Bosco seul au centre. Mais Hermann va venir bientôt le soutenir. Le liège qui a fait Ponte tout seul, elle avait un peu trop poussé. Effectivement, il ne pouvait pas faire grand chose d'autre. Personne n'est venu en soutien. Plus que 4 minutes à jouer et toujours 3 à 2 en faveur des Grasshoppers de Zurich face à Bastia. Les Bastiais qui ont eu le mérite de marquer 2 buts à l'extérieur, ce sera peut-être important pour le match retour dans 15 jours car ne l'oublions pas, Bastia a toujours gagné chez lui en Coupe d'Europe et si cette marque ne changeait pas d'ici la fin de la rencontre, il suffirait d'une victoire par 1 à 0 ou 2 à 1 pour que les Bastiais se qualifient pour la finale. Mais en 4 minutes, il peut s'en passer des choses en football. Là, ce sont les Corses qui attaquent, alors que, eh oui, Roland Doucier a été fauché par Ponte, l'arbitre n'a rien dit, c'est Casse tout de même qui contrôle, ça repart par Larios à l'aile droite, aux prises avec Nigel. Nigel qui est tout petit par rapport à Larios, et Félix qui se bat, mais qui ne peut contrôler cette balle face à Montandon. Il reste 3 minutes environ à notre chronomètre. Je veux dire que maintenant nous méfions ici en Suisse. L'arbitre a donné le coup d'envoi avec 5 minutes d'avance. Crimo. La Cuesta. Les Corses qui essayent d'égaliser, d'obtenir le match d'une ici. Ce serait presque à la qualification. Une talonnade de la Cuesta, mais c'est Ponte qui contrôle cette balle. Face à Larios. Toujours Ponte. Pour Meyer. Meyer cherche Hermann, qu'on en voit un peu moins, mais il a fait tant d'efforts en première mi-temps. Elsener. Elsener reprise avec Kaz. Pour Hermann précisément, mais c'est Guédon qui avait d'abord contrôlé et le remise en jeu en 6 mètres de la part des Bastiais, alors qu'il doit rester 1 minute 30 à peu près, Pierre Cajoli. À quelques secondes près, il reste effectivement une trente de jeu. Et Bastia est toujours mené sur le score de 3 buts à 2. Ce qui peut être d'ailleurs une déception pour les Bastiais. Mais n'oublions pas qu'ils ont inscrit 2 buts à l'extérieur. Et qu'il n'y a qu'un but d'écart dans cette partie, ce qui devrait être un avantage pour le match au retour à Fourian et dans 15 jours. Larios. On tire les dernières cartouches. Elsener. Remise en jeu par Nigel. Qui est passé par Hay. Voilà, longue balle devant. C'est une des dernières occasions. L'arbitre devant sans doute consulter son chronomètre dans les secondes qui suivent. Caz, Orlandouchi, une des dernières attaques de ce match contre Hermann. Reprise par Schulzer qui va chercher. Et on retrouve Hermann. Il a eu le temps de filer sur l'aile. Hermann fauché, coup franc. Et re-carton jaune. Cette fois-ci pour Félix Lacuesta. Infligé par l'arbitre irlandais, M. Carpenter. Hermann, balle brossée. Papy était là pour renvoyer Rep aussi. Attention, personne n'est hors-jeu chez les Suisses. Et l'arbitre sur cette action. Alors, je voulais vous dire l'arbitre siffle la fin du match, mais c'est un spectateur qui a exactement le même sifflet que l'arbitre, mais voilà. Il n'avait précédé que de vraiment 3-4 secondes. Donc ici à Zurich, au stadion Hartturm, les Grasshoppers de Zurich ont été fidèles à leur image. Ils ont infligé 3 buts à Bastia. Bastia, lui, est resté aussi fidèle à sa nouvelle réputation. Il a marqué 2 buts à l'extérieur. Les deux équipes ont tenu le spectacle que laissait prévoir leur performance passée dans les tours précédents de cette Coupe UEFA.
Zurich bat donc Bastia sur le score de 3-2. Les buts ont été inscrits à la 18e par Crivo pour Bastia, à la 21e par Hermann pour les Grasshoppers, à la 31e par Ponté sur pénalty pour les Suisses, à la 36e par Papi sur pénalty toujours pour les Corses, et enfin à la 54e en deuxième mi-temps, Montandon sur un corner a battu Yard de la tête, ce qui donne un score de 3-2. Et maintenant, rendez-vous bien entendu dans 15 jours à Furiani à Bastia pour savoir si le club français parviendra en finale de cette Coupe UEFA. C'était un commentaire de Jean Rénal et Pierre Cangioli et des images de la télévision suisse et du réalisateur Poidel. Bonsoir, merci de votre attention.